Et on est en direct. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, une bonne journée, malgré l'actualité très très riche et assez sad. On pense aux Ukrainiens qui, malheureusement, sont maintenant en guerre. C'est très triste, mais bon. Ce soir, on fait une interview. On est en français, évidemment, puisque notre invité de ce soir est français. Nous allons échanger avec l'ancien député européen Jean-Marie Cavada. Il a 82 ans, et d'ailleurs c'est son anniversaire aujourd'hui, donc chat, souhaitez-lui son anniversaire, surtout qu'il prend le temps d'être avec nous ce soir. Donc il a été député européen entre 2004 et 2019, donc 3 mandats. Il a tantôt appartenu à l'ADLE, donc le groupe centriste qui est devenu ensuite Renew, et aussi au PPE, donc le centre droit. Au cours de ses mandats européens, donc entre 2004 et 2019, il a principalement siégé en commission des affaires juridiques, en commission de la culture et de l'éducation, et en commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Pendant ces mandats-là, donc, il a travaillé beaucoup sur les questions et les sujets liés aux médias, ce qui est logique, hein, c'est un ancien journaliste, les sujets de culture et sur le droit d'auteur. Il a été vice-président de commission, président de commission parlementaire, il a été coordinateur, donc il sait comment ça marche l'Europe, il a baroudé dans le Parlement européen, ce qui lui permet d'avoir un recul nécessaire pour avoir un regard objectif et critique sur le Parlement européen, sur l'Union européenne et la politique européenne. Et c'est ce pourquoi on va l'écouter ce soir. Je vous dis qu'il est ancien député, mais il est pas à la retraite, hein, M. Cavada est quelqu'un de très occupé. Il est président de l'Institut pour les droits fondamentaux numériques, donc l'IDF Right, et de la nouvelle organisation de gestion collective pour les droits voisins de la presse. Donc il pourra probablement nous en parler un petit peu en introduction. Mais avant de commencer la conversation, bref rappel des règles pour ceux qui sont nouveaux avec nous ce soir. Monsieur Cavada va rester avec nous un petit peu moins d'une heure parce qu'il faut qu'il parte un peu avant 8h pour poursuivre les questions ukrainiennes et aussi profiter de sa soirée, après tout c'est son anniversaire. Et moi, vous allez devoir rester avec moi pendant encore une petite demi-heure après pour faire un petit débrief, discuter de ce que vous avez pensé de l'interview, donner des éléments complémentaires, etc. Comme d'habitude, j'ai préparé mes questions de mon côté, mais si vous avez des questions, vous avez le chat pour ça, n'hésitez pas à faire des suggestions et je piocherai dans vos suggestions. Donc n'hésitez pas à réagir, mais faites-le dans la bonne humeur et sans spammer. Donc écoutez, je vous propose qu'on se lance. Je vais mettre Monsieur Cavada à l'écran. Bonsoir Monsieur Cavada, bienvenue sur la chaîne et merci encore de prendre le temps d'être avec nous ce soir. Alors, vous m'avez entendu faire ma petite introduction, vous présenter rapidement. Donc, j'ai mentionné que vous avez été député européen. Maintenant, vous n'êtes pas à la retraite, vous êtes toujours quelqu'un de très actif. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire ce que vous faites maintenant, vos activités en tant que président à la fois de l'Institut et de l'organisation de gestion collective? Alors d'abord, je veux saluer tous ceux qui vous suivent ce soir. Bonsoir amis européens et même peut-être extra-européens. Et bonsoir à vous, cher Quentin, puisque j'ai le bonheur de vous connaître, et d'ailleurs je tiens à dire, sans vouloir vous flagorner ni vous flatter, particulièrement que vous faites partie des gens que je considère comme totalement des pivots indispensables au bon fonctionnement du Parlement européen. J'ai l'occasion de travailler à vos côtés ou avec vous. Et à travers vous, si je vous salue, c'est parce que je veux dire que le Parlement fonctionne bien quand les assistants sont bien à leur place et qu'on les laisse travailler. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que certains députés, par exemple, pensent qu'ils font mieux que tout le monde, et ça, naturellement, c'est une très mauvaise optique. En tout cas, je suis très content de saluer à travers vous une jeunesse européenne également. Alors, en réalité, actuellement, je fais deux choses qui sont d'ailleurs l'héritage du Parlement, si je puis dire. La première de ces choses, c'est qu'ayant beaucoup travaillé à la tête de la Commission des libertés civiles, vous l'avez dit, des affaires culturelles, et comme vice-président de la Commission jury, je me suis surtout, depuis les années 2010-12, je me suis surtout intéressé aux industries culturelles d'une part et aux libertés d'autre part. Autrement dit, ça ne pouvait pas ne pas impacter l'influence du numérique sur les valeurs européennes. Et donc, nous avons construit après le Parlement européen, avec des juristes, avec des économistes et avec des gens de la technologie qui respectent le règlement général de la protection des données, qui est une règle européenne, le RGPD, nous avons construit un institut des droits fondamentaux numériques dénommé IDF Rights, comme vous l'avez dit. Et puis par ailleurs, il y a quelques mois, à la fin de l'été dernier, 2021, une partie de la presse française est venue me chercher pour construire ce qu'on appelle un organisme de gestion collective, dont le but est de protéger leurs intérêts par rapport au numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que beaucoup de plateformes prennent du contenu de la presse. La presse, elle paye pour créer de l'information, elle envoie des reporters, elle gère
des équipes, etc. Et les contenus qu'elles publient ou qu'elles diffusent, eh bien, sont souvent, très souvent repris par des plateformes qui ne les payent pas, qui les payent mal et en tout cas pas à leur juste prix. La presse, naturellement, une fois que la loi droit d'auteur, droit voisin européenne, et il faut dire merci à l'Europe, a réussi à être votée, une fois que cette loi a été votée et transposée en France, eh bien, la presse française a voulu l'appliquer. Elle a d'ailleurs été la première en Europe. Et elle m'a demandé de donc défendre ses intérêts dans une négociation avec les différentes plateformes. Voilà mes deux travaux. Le matin, c'est l'un. L'après-midi, c'est l'autre. D'accord. Et alors, revenons un petit peu dans le temps. Qu'est-ce qui vous a amené à, d'une part, à rentrer en politique, vous avez un passé de journaliste, et ensuite à vous intéresser à l'Europe. Quel a été le parcours intellectuel derrière ça? Alors, en fait, les choses sont assez claires. En effet, je suis un ancien journaliste. En effet, j'ai dirigé des rédactions. En effet, j'ai dirigé des sociétés de médias, qu'elles soient publiques ou privées. J'ai créé en France une chaîne qui s'appelle France 5. J'ai créé un réseau radio qui s'appelle France Bleu. J'ai présidé l'ensemble des chaînes françaises de radio publique en France qui s'appelle Radio France, etc. Bon, j'ai donc eu une grosse expérience à travers mon histoire. J'ai eu le bonheur, la chance, l'opportunité de pouvoir faire ce parcours. Mais il y a un moment à partir duquel j'avais à peu près tout fait dans les médias. Et donc, mon idée, elle était la suivante. Comme j'ai toujours été un Européen, comme je suis un enfant de la guerre, puisque ma famille a été détruite par la guerre à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et ce soir où je vous parle, vous pensez bien que je suis extrêmement tendu et inquiet de ce que je vois à nouveau se dérouler aux portes de l'Europe, et à nouveau en Europe centrale, d'où sont partis beaucoup de misères pour l'ensemble du continent européen. Et moi qui suis européen depuis l'âge de 18 ans, je n'avais plus qu'une chose à faire, c'était faire quelque chose pour un projet, un but que j'ai toujours aimé dans ma vie, à travers un pays où la République, puisque moi je n'avais pas de famille, m'a élevé, m'a nourri, a payé mes études et m'a permis de faire la carrière que j'ai faite. C'est une façon un peu de rendre, c'est un peu grandiloquent ce que je vous raconte, mais c'est vrai, ce sont mes vrais sentiments. Je suis désolé si je ne sais pas l'exprimer plus simplement. Non, c'est très clair. Et donc voilà, j'ai trouvé absolument indispensable de venir en Europe. Et j'ai découvert que, comme journaliste, je connaissais un peu l'Europe, mais en fait, je ne connaissais rien. C'est de l'intérieur de l'Union, de l'intérieur du Parlement, où on apprend beaucoup de choses. Je ne remercierai jamais assez les pères de l'Europe, si je puis dire, et tous ceux qui ont travaillé pendant 15 ans à mes côtés d'une part et en face de moi ou ailleurs, tous les parlementaires ou leurs assistants. C'est fou ce que j'ai pu apprendre en 15 ans, presque autant que dans tout le reste de ma vie précédente. Donc je suis très heureux. Et donc vous aviez dit que vous avez arrêté vous êtes sorti de carré dans les médias parce que vous avez fait un peu le tour. Est-ce que c'est pareil qu'avec le mandat de député européen, vous avez fait 3 mandats, vous avez estimé que vous avez fait le tour et vous voulez passer à autre chose? Alors, on n'a jamais fait le tour. J'aurais pu rester encore un mandat probablement. Mais je ne suis pas fait comme ça. Ma nature, c'est que quand les choses que je veux faire sont accomplies, je tourne la page. Et donc, je voulais qu'on arrive à valoriser le pétrole européen, c'est-à-dire la création artistique, le pétrole de la liberté, c'est-à-dire la création journalistique. Je voulais que l'économie de ces créations soit abondante pour que l'indépendance soit respectée. Si les journaux, par exemple, sont déficitaires, il n'y a plus d'indépendance, hein, bien évidemment, puis ils meurent les uns après les autres. Ça a été le cas en Australie l'an dernier, par exemple. Et donc, c'est la raison pour laquelle, ayant fait voter tous les textes auxquels je tenais, la portabilité, le RGPD, les lanceurs d'alerte, et puis droit d'auteur, droit voisin, entre autres, il y en a eu d'autres, mais qui étaient vraiment ceux sur lesquels, j'ai fait partie de ceux qui portaient en tête ces lois. J'estimais que puisqu'elles avaient été votées, il était temps de tourner la page et d'aller faire autre chose. C'est tout aussi simple que ça. D'accord. Et donc, vous l'avez mentionné, on ne connaît pas l'Europe tant qu'on n'a pas été dans le Parlement européen, entre guillemets. Et donc, vous l'avez bien vu, hein, la culture politique européenne est très différente de la culture politique française. Et après avoir baigné 15 ans dans cette culture politique européenne, quels enseignements vous en tirez? Au final, qu'est-ce que vous préférez? Plutôt une culture à la française, une culture politique à l'européenne ou un mix des deux? Écoutez, dans ce temps de guerre qui vient de se déclarer aujourd'hui, cette nuit, je voudrais d'abord vous dire que moi, je me suis toujours senti un Européen de France et pas un franchouillard français, toujours. J'ai toujours eu cette ouverture, par peur sans doute de la guerre d'ailleurs, puisque quand j'étais enfant, tout bébé, 4 ans, je me souviens très bien avoir vu des bergers allemands que la
que les gens de la Gestapo dans la ferme des Vosges, j'ai été élevé, tenu en laisse et ils étaient plus grands et plus hauts que moi. J'ai toujours dans la tête la gueule ouverte d'un berger allemand qui était plus haut que moi et dont on voyait les crocs, les canines et la langue pendante en train de baver sur le parquet de la ferme où j'étais. Ils venaient voir si on ne cachait pas des résistants. Donc j'ai été aussi, comment dirais-je, extrêmement bouleversé par l'invasion soviétique en Hongrie le 22 octobre 1956. J'étais à Prague lors de l'invasion de Prague le 21 août 1968 et j'y étais par hasard en plus puisque je faisais du reportage culturel. Je suis quelqu'un qui ressemble à un vrai Européen, même si ma famille vient d'Espagne, pour la raison simple, c'est que les bouleversements dont j'étais l'émanation, ce sont ces bouleversements qui ont supprimé ma famille. J'ai pas de parents, pas de tante, donc de grand-père, de grand-mère. La cavada, ça commence avec moi. Heureusement, j'ai des enfants qui prolongent ce nom. Mais j'ai toujours été comme ça. Et donc, je me suis toujours senti un Européen de France, c'est-à-dire un double patriote, vous voyez. Les valeurs européennes qui élargissent le front français, qui a tendance parfois à se replier, on le voit bien en ce moment d'ailleurs, avec la campagne électorale. Et puis, je suis un Français indiscutable, mais pour moi, être un Français, c'est être quelqu'un qui partage les valeurs françaises, mais qui partage aussi les valeurs européennes. Et j'ai vécu un peu en Allemagne, j'ai vécu un peu en Grande-Bretagne, j'ai vécu un peu à Washington, j'ai beaucoup bougé. Donc c'était mon milieu naturel, l'Europe, vous voyez, d'une certaine manière. Et même quand j'étais journaliste, j'ai toujours veillé à donner aux spectateurs français ou aux auditeurs français le reflet de ce qui se passait à l'étranger quand les Français se posaient un problème, comment les étrangers l'avaient résolu ou non. Et donc, je pense que c'est ça notre milieu. Et aujourd'hui, nous sommes un peu un continent relativement faible. On le voit bien dans les rapports de force violents. Nous sommes un grand marché avec des valeurs humaines, mais nous n'avons pas de défense, etc. Mais nous sommes coincés entre la Chine et les États-Unis. Je me sens plus européen et plus français que jamais. Et alors... Pour rester encore un petit peu sur votre parcours, vos mandats, oui. Qu'est-ce que vous considérez dans ces 15 ans que vous avez passé au Parlement européen, qu'est-ce que vous conseillez comme étant votre plus grand succès mais aussi votre plus grand regret dans votre carrière de député? C'est vraiment difficile de dire ça parce que la chose que j'ai apprise, vous ne m'en voudrez pas de le dire, c'est pas du tout une vantardise, je suis plutôt connu et même assez respecté pour mon travail en France, c'est en tout cas ce qu'on me dit aujourd'hui. Mais quand vous arrivez au Parlement européen, ce qui est formidable, c'est le retour à la base, c'est-à-dire la modestie est vraiment le passeport de rigueur. Je me souviendrai toute ma vie de mon entrée au Parlement en juillet 2004, où pratiquement c'était la rentrée des classes, c'est-à-dire les empreintes digitales, c'est-à-dire les pièces d'identité, c'est-à-dire le badge, c'est-à-dire les documents qu'il fallait lire. Et j'étais comme un gamin qui rentrait en sixième. C'était vraiment ça, quelque chose de tout à fait nouveau. Et il m'a fallu... 3 mois pour comprendre exactement où j'étais et il m'a fallu 1 an pour prendre toute la mesure des possibilités du Parlement. Et c'était d'autant plus d'ailleurs, c'était d'autant plus fabuleux parce que moi j'ai toujours eu beaucoup de chance dans ma vie, je ne sais pas à quoi ça tient mais c'est comme ça, ou alors je la vois passer et je la saisis, je ne sais pas trop, je ne suis pas bien placé pour en juger, ni de mes défauts ni de mes qualités. Alors, en tout cas mes défauts j'en connais quelques-uns, mes qualités ça c'est pas moi qui peux en parler. Et en tout cas ce qui m'a toujours beaucoup frappé c'était que je devais faire un double effort. L'élève Cavada rentrait au Parlement européen, mais vraiment comme un bisu d'un collège. Hein. Et puis, dans le même temps, je me trouve propulsé en arrivant pour des raisons de rapport de force. Hein. Vice-président de INTA, la commission commerce international, oui. Du commerce extérieur, le trade. Et puis, avec un type formidable, un monsieur que je respecte et qui j'aime et qui est un de mes amis maintenant, qui s'appelait Enrique Barón Crespo, qui avait été précédemment ministre en Espagne et aussi président du Parlement européen, et un homme d'une humanité et d'une jovialité formidable. Et puis, 6 mois plus tard, me voilà propulsé président de la commission des libertés civiles, dont je devais tout apprendre. Comment c'est une commission, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Ça a été des années de formation en profondeur, vous voyez. Alors, les succès, bon oui, on en a eu, hein, vraiment, tout ce que je viens de vous citer comme texte dans la question précédente et qui m'ont déterminé à tourner la page, hein. Ça a été de grands succès et de grandes batailles. Et puis, des échecs, il y en a eu, oui. L'échec le plus dur pour moi, c'est que nous n'avons pas réussi à remuer Mme Reding quand elle était commissaire, et que la Hongrie commençait à bafouer et s'asseoir sur les lois et les valeurs européennes pendant qu'on continuait à la financer. Ça, c'était une vraie meurtrissure, et je n'oublierai jamais, quelques années plus tard, je recevais en audition certaines ONG hongroises au Parlement, des ONG d'ailleurs tout à fait respectables,
C'était le jour que la police de M. Orban avait choisi pour aller fouiller ces ONG pendant que leur leader venait témoigner au Parlement européen, au motif que c'était des organisations qui vivaient avec de l'argent de puissances extérieures. Tu parles comme si lui-même, d'ailleurs avec la Russie, n'était pas au fond en cheville avec une puissance extérieure. C'était terrible, ça. Ça a été terrible parce que je voyais là le ferment d'un affaiblissement de l'Europe. Et on le voit aujourd'hui, ce jour même, ce 24 février 82, ce 24 février, pardon, 2022, 82, c'est moi, oui. On le voit, si l'Europe avait été une puissance militaire, bien entendu, la diplomatie aurait pris le pas sur l'affrontement militaire que l'on voit aujourd'hui en Ukraine, voyez. Les jeunes générations doivent savoir que l'on ne perd que les batailles que l'on n'engage pas. Et mon bonheur d'être avec vous ce soir et de parler par nature à des jeunes gens, hein, franchement, pas tous, mais la majeure partie, c'est forcément des jeunes gens, c'est que vous avez une vocation à conduire votre destin. L'Europe ne peut pas être fatiguée du bonheur, elle doit faire des efforts, elle doit faire des sacrifices, elle doit construire sa puissance, parce que le jour où nous n'avons plus de puissance, nous serons vassalisés d'une manière ou d'une autre, soit par l'économie et les moyens de l'économie numérique américaine, soit par une puissance militaire comme peut-être la Russie ou d'autres, je ne sais pas. Et donc, c'est vraiment très important que nous sachions être dignes des valeurs que des dizaines de millions de morts au XXe siècle ont fabriquées pour nous et dont nous avons besoin pour vivre. On ne peut pas vivre asservi. C'est vraiment très important, ça. J'ai une question déjà de quelqu'un dans l'audience qui, comme j'ai expliqué, vous avez appartenu à la fois à la DLE et au PPE. Et successivement, donc, oui. Successivement, et donc du coup, la question c'est pourquoi vous avez fait ce changement de groupe en fait ? Alors en fait, ce n'était pas un changement de groupe, c'est qu'en 2004, j'étais proche des centristes français, que l'on appelait l'UDF, Union des démocrates français. Et puis, la campagne suivante, celle de 2009, était une union entre les centristes et ce qu'on appelle aujourd'hui en France les Républicains, en gros, dont le parti français était gouverné par le président Sarkozy. Et donc, on a fait campagne ensemble. Hein. Il y avait des centristes et des Républicains. Et c'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé, parce que ça faisait partie de l'accord que les deux partis avaient passé en France, assiégé au PPE. Mais en fait, j'étais un centriste du PPE, et d'ailleurs, dans la mandature suivante, je suis revenu à mes origines, puisque la dernière mandature était au centre, en effet, était à l'ALDE, comme on disait à l'époque. Et alors, vous l'avez mentionné un petit peu, vous avez parlé d'un affaiblissement de l'Europe. Quelque chose qu'on entend souvent, surtout ces dernières semaines, c'est l'idée de l'Europe naïve. Est-ce que vous pensez que l'Europe, elle a une approche un peu naïve du monde, qu'elle s'est un peu trop comportée comme étant comme un peu un bisounours ? Ceux qui disent ça ont raison sur la forme, mais ils ont tort sur le fond. Le fait que l'Europe n'ait pas pu aller plus loin que, je vais dire, une création économique, puis ensuite un marché unique, puis ensuite des valeurs, mais qu'elle n'ait du mal à les faire respecter, et qu'elle n'ait pas pu avoir une diplomatie unique, et qu'elle n'ait pas pu avoir une armée, une défense commune, unique, donc appartenant à l'Union, et il y avait différentes façons de le faire. Ça tient au fait que les deux pays, un des grands pays qui composent l'Union, je parle notamment de l'Allemagne, et quelques blocs d'autres pays, les Nordiques d'un côté, ceux d'Europe centrale de l'autre, ont des tropismes différents. Et que nous n'avons pas été boostés par des dangers, peut-être qu'il y en a un qui se profile aujourd'hui, en effet, suffisants pour renoncer à nos différences et se replier sur l'essentiel et construire une défense. Il ne peut pas y avoir de diplomatie sans défense. La diplomatie, c'est du blabla s'il n'y a pas une défense derrière, ou si c'est des bons sentiments. Et donc, la naïveté en question, c'est une façon facile un peu de juger des choses. Il faut regarder les faits, il faut regarder ce qu'est l'histoire de notre continent depuis la création en 1957. Et d'ailleurs, nous, les Français, nous ne sommes pas innocents, parce que quand en 1954, le projet de communauté européenne de défense est présenté au Parlement français, deux grandes forces politiques françaises votent contre. Il s'agit des communistes d'autre part, qui pesaient à peu près quand même entre 20 et 25% des voix en France à l'époque, ce qui n'est quand même pas rien, et d'autre part les gaullistes, qui pesaient moins, mais qui avaient une autorité importante. Ces deux grands partis ont voté contre la communauté européenne de défense, et donc nous sommes un des pays qui est responsable de la situation A militaire, A privatif, hein, A
sans politique de défense, en tout cas, puisque nous-mêmes, nous l'avons rejeté. Aujourd'hui, on peut le regretter, d'autant plus que la France est devenue, entre-temps, le pays leader en matière d'armes, en matière de défense, puisque membre du Conseil de sécurité, c'est le seul Européen. Puissance nucléaire, c'est la seule, puisque le Brexit a mis les Britanniques hors de notre union, même si en cas de danger, je pense qu'on se retrouvait dans un accord de défense commun. Ça, c'est tout à fait plausible et imaginable de le penser quand M. Boris Johnson sera devenu un homme d'État, ce qui, à mon avis, arrivera peut-être, on ne sait jamais, on peut tout espérer. Bref, c'est pas de la naïveté du tout, non, ce sont des divergences. Ce sont des divergences profondes. Il y a des États qui sont pacifiques, par exemple. Et puis, tout ça a été, vous savez, l'Europe est un continent qui a beaucoup souffert du pacifisme. Après la Première Guerre mondiale, l'Europe avait tellement souffert qu'une grande partie de l'Europe était pacifique, les opinions, je parle. C'est sur cette naïveté-là, si je puis dire, mais qui est aussi le fruit de la douleur, que l'Allemagne s'est remilitarisée après la Première Guerre mondiale. C'est sur cette naïveté-là que la France ne s'est pas vraiment modernisée du point de vue de son armée. Et d'ailleurs, le général de Gaulle l'avait écrit quand il était capitaine puis colonel ou bien attaché militaire à Varsovie dans la fin des années 20. Et vous voyez, cette naïveté-là, c'est une couverture, je dirais, qui n'exprime rien. La vérité, c'est qu'il y a des divergences. La vérité, c'est que l'Europe a été le terrain du pacifisme. Et même après la chute du mur de Berlin en 1989, un historien qui est pourtant pas n'importe qui, hein, M. Francis Fukuyama, qui pour le coup a dit vraiment des stupidités inouïes, hein, avait dit « c'est la fin de l'histoire », comme si l'histoire allait s'arrêter. L'histoire ne s'arrête jamais. L'histoire ne s'est pas arrêtée depuis 4000 ans, pour celle que l'on connaît, celle d'avant, on la connaît mal, ou on la connaît pas. Et du coup, dans l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, qu'est-ce qui marche bien et qu'est-ce qui au contraire ne fonctionne pas bien dans l'Europe ? Alors, moi, il me semble que, prenons les résultats du fonctionnement, puis après on verra les institutions si elles sont responsables. Mais rapidement, ce qui ne marche pas bien aujourd'hui, c'est plusieurs choses. Premièrement, l'Europe ne met pas assez en avant son tronc commun de valeurs. Ce tronc commun, il existe pour presque tous, à part actuellement, deux ou trois pays qui sont travaillés par des forces réactionnaires, nationalistes qui veulent se replier sur elles-mêmes. Et quand on se replie sur soi-même, on a besoin d'ennemis aux frontières. Et d'ailleurs, on le voit actuellement, hein, c'est tout à fait clair. Et ces valeurs, c'est la base qui a inspiré la constitution européenne, le système constitutionnel européen sur lequel je reviendrai. Ce qui ne va pas non plus, c'est, je dirais, en Europe, la faiblesse des investissements pour faire assumer les transitions. Quand les États-Unis mettent 3 000 milliards, 4 000 milliards même depuis que Biden est arrivé au pouvoir, d'une manière ou d'une autre, pour la reconstruction et la modernisation des États-Unis, nous arrivons à mettre 700 milliards, c'est-à-dire 5 fois moins. Mmh. Et donc on voit bien, alors que notre population est plus du double de celle des États-Unis, hein, il y a 450 millions d'habitants en Europe maintenant, il y en a 260 ou 250 millions, mettons, pour faire rapide, aux États-Unis. Nous voyons bien que nous ne tendons pas nos efforts suffisamment vers la grandeur d'un continent qui assurerait sa paix, première chose, et sa prospérité, et son bien-être avec nos systèmes de valeurs. Le système de valeurs est bon, il n'est pas assez défendu. Ce qui ne va pas, c'est pour moi quelque chose de très important qui touche à la souveraineté européenne. Et je voudrais l'illustrer de deux manières. La défense, j'en ai parlé. L'absence de défense, il n'y aura jamais de grande diplomatie européenne. Et d'une certaine manière, un jour, ça peut même menacer la monnaie européenne, cette absence de défense, parce qu'une armée garantit une diplomatie et le tout recouvre une monnaie, qui est l'expression de la valeur et de la richesse produite par un pays et qui s'exporte hors de ses frontières. Alors, ce qui ne va pas, c'est ça, c'est-à-dire les menaces de vassalité. La défense, je viens d'en parler. Et puis, il y a une autre chose. Alors, la défense, la grande difficulté, c'est l'Allemagne, on le sait. Hein, on le sait. L'Allemagne, d'ailleurs, est très ambiguë. Elle exporte beaucoup d'armements. Elle construit des navires de guerre. Elle construit des sous-marins. Mais elle ne veut pas, en raison de son histoire épouvantable,
disons, mettre des soldats hors de ses frontières, ou en tout cas, ce sont des médecins ou des gens de cette nature, de l'assistance. Mais ce qui ne va pas aussi en Europe et qui la menace beaucoup, c'est la vassalité numérique. J'explique. La transformation du monde aujourd'hui, elle va diriger les efforts dans deux directions. Le climat, l'amélioration climatique, la transformation, c'est en route. Ça va être difficile, périlleux, tout ce qu'on veut, mais grosso modo, il est tard. Mais on aboutira et on aboutit déjà à quelque chose. La deuxième grande transformation, c'est la transformation que le numérique fait subir à tous les secteurs de la vie individuelle, la vie privée, les données personnelles, le harcèlement, la vie collective, c'est-à-dire les attaques de la démocratie, la souveraineté économique. Les données numériques des grandes entreprises sont aux États-Unis et donc sous la loi de ce qu'on appelle, de ce que j'appelle méchamment la DCA, comme l'artillerie, Digital Cloud Act, hein, qui dit que, renforcé par Trump en 2018, et qui dit que toute personne, quelle que soit sa nationalité et quel que soit le pays où il habite, ces données peuvent être visitées, toute personne et tout établissement, donc des entreprises, etc., dès l'instant qu'ils sont sur des systèmes américains. Or, 80% du CAC 40 français, ces données sont sur des systèmes américains. Et cette vassalité-là est extrêmement menaçante parce que petit à petit, la somme des inventions et la somme des inventions donc, qui font vivre l'économie et la somme des libertés dont nous avons besoin pour être une démocratie sont entre les mains de machines qui ne sont pas sous notre autorité. Et voilà deux choses qui me font peur. Voilà. L'absence de défense et l'absence de souveraineté numérique. Et on l'a entendu plusieurs fois, en fait, la question de la défense, que ce soit du point de vue pur militaire et de la question plus numérique, on retombe toujours sur nos pieds, c'est la question de la souveraineté de l'Europe, qui est devenue un grand sujet européen ces cinq dernières années. Comment vous voyez l'expression de cette souveraineté potentielle de l'Union européenne ? Je crois que pour être complet, il faudrait d'ailleurs que je termine la réponse que j'ai commencée tout à l'heure. Il faudrait que les institutions de l'Européenne, qui sont un peu éparses, trois institutions, le Conseil, la Commission européenne, qui est une sorte de secrétariat général du gouvernement, des ministres et des chefs d'État européens, mais avec des pouvoirs politiques un peu plus étendus qu'un secrétariat général, et puis le Parlement en face de ça. Le Parlement fonctionne plutôt bien. Alors, on peut l'aimer, pas l'aimer, selon les sujets qu'il traite, etc. Mais il fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, je veux dire à tous ceux qui nous écoutent que c'est un vrai Parlement avec de vrais pouvoirs. Il suffit de les exercer. Il n'y a pas de pouvoir d'initiative législative, pas encore, mais de toute façon, on peut les exercer par la voie des amendements, par la voie de tout un tas de procédures parlementaires. Donc, quand les députés se pleurnichent sur le fait qu'ils n'ont pas assez de liberté, c'est un tort. Il suffit d'exploiter tout ce dont on dispose et c'est déjà bien, et donc de travailler. Donc, franchement, dans les institutions-là, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Je pense que le Conseil et la Commission devraient se fondre en un seul et même organisme. Il y aurait ainsi un exécutif et un législatif en face. L'exécutif étant contrôlé vraiment et de plein pouvoir par le législatif, notamment le budget où les pouvoirs sont d'une certaine manière quand même relativement limités. Et on voit bien que les institutions ne sont pas achevées au niveau d'un État fédéral, même s'il n'y a pas besoin de proclamer un État fédéral. Je veux dire, le fédéralisme, c'est l'assemblée de gens qui sont d'accord sur les principales décisions régaliennes. Ne croyons pas que le fédéralisme, c'est que tout le monde doit marcher au même pas partout en Europe. Aux États-Unis, les choses sont très différentes d'un État à un autre. Hein, si vous êtes en Californie, vous n'avez pas les mêmes lois que dans le Vermont, ni dans le Texas, ni dans le Delaware, ni dans le Michigan. Par conséquent, le fédéralisme, il n'est nécessaire que pour instaurer, je dirais, une puissance régalienne pour les principales décisions. C'est quoi les principales décisions ? Ben, au fond, ce sont des décisions qu'un État tout seul est trop faible pour prendre. Et vous voyez, il faut terminer cette affaire pour que l'Europe soit non seulement une puissance économique, non seulement une référence de valeurs humaines et de démocratie, mais aussi une puissance, je dirais, diplomatique et militaire afin de faire respecter ses frontières, son continent, ses valeurs, son économie et sa diplomatie. D'accord, ah non, c'est très clair. Alors, un sujet sur lequel vous avez été longtemps investi, vous avez même créé un parti sur le sujet, c'est la question de la démocratisation de l'Europe et de l'implication des citoyens. Et on a entendu souvent parler de cette notion de déficit démocratique de l'Union européenne. Alors, deux questions en une. Est-ce que vous pensez qu'il y a un réel déficit démocratique de l'Union ? Et deuxième question, comment est-ce qu'on fait pour intéresser et investir les citoyens dans l'Union européenne ? Je vais commencer par la première question, parce que la deuxième m'a l'air extrêmement complexe.
est-ce qu'il y a un déficit démocratique en Europe? Les Français qui disent ça sont vraiment gonflés. Le Parlement français n'a pas la moitié des pouvoirs dont dispose le Parlement européen. Par conséquent, c'est une critique vraiment de va-t-en-guerre. Ça ne tient pas debout. Le Parlement français est contrôlé par le gouvernement d'une certaine manière qui contrôle l'ordre, qui peut retirer de l'ordre du jour telle ou telle chose, qui retire les amendements comme il le veut. Enfin bref, non. C'est un Parlement qui a été construit alors que la France se battait dans la guerre d'Algérie et qu'elle était extrêmement affaiblie. Il fallait donc une autorité exécutive centrale et on vit toujours dans cette problématique-là. Ça a d'ailleurs bien marché en France pendant un long moment. Maintenant, il y a en effet, vous avez raison, une demande des citoyens de participer plus directement à la démocratie de leur pays en particulier et de l'Europe en général. Mais l'Europe, elle est le déficit démocratique européen. Je dirais presque qu'il est, plus dans l'absence de transparence de la technocratie européenne. Je serais tenté, je l'ai affronté beaucoup, donc je serais tenté parfois de la critiquer, mais je veux dire que les technocrates européens sont de bonne qualité. Le seul problème, c'est que le commandement politique de l'Europe est faible. Et c'est-à-dire que les directions générales, pour ne prendre que la Commission, gouvernent largement ce que les commissaires n'arrivent pas à gouverner. Et on voit bien qu'il y a là un manque de transparence. Mais avant de critiquer le manque de démocratie de l'Europe, exploitons d'abord tout ce que l'Europe offre comme démocratie. Et par exemple, comment peut-on se permettre de critiquer le manque de démocratie européenne dès l'instant que dans certains pays, notamment le nôtre, on n'arrive même pas à faire déplacer un électeur sur deux pour aller voter aux élections européennes? Alors bien sûr, les institutions ne sont pas parfaites, c'est compliqué, bien sûr, mais tout est compliqué quand on dirige un pays. Les lois françaises ne sont pas plus simples que les lois européennes, les lois allemandes ne sont pas plus simples non plus. Donc ce déficit-là, je ne peux pas rejeter complètement cette critique. Oui, il y a un manque de transparence sur certaines choses, mais par ailleurs, on n'a que les gouvernants que l'on mérite, et pour les mériter, il faut aller voter. Si ça ne vous va pas, eh ben, allez voter, faites changer les dirigeants lors des élections européennes, puisque vous voyez bien, vous le savez tous, les élections européennes produisent une majorité, d'où sort l'exécutif européen. Et par conséquent, on est un peu responsable. Je veux dire, la démocratie, ce n'est pas un truc que l'on exerce une fois tous les 5 ans aux élections, puis je rentre chez moi et je m'en occupe plus. Non. D'ailleurs, on ne parle pas beaucoup d'Europe dans les pays, vous voyez. Si je regarde les chaînes d'information françaises ou les chaînes en général, la radio ou la télé et même la presse écrite parle plus de l'Europe à ses lecteurs. Elle en parle plus que la radio qui en parle plus que la télé. Donc, vous voyez que nous sommes responsables largement du manque de connaissances démocratiques, enfin, du manque de connaissances des institutions, de leur fonctionnement, de ce qui est critiquable, de ce qui ne l'est pas, parce qu'on est paresseux en démocratie. Facilement fatigué du bonheur aussi, enfin, des choses de ce genre. La démocratie, c'est comme les enfants jusqu'à la fin de l'adolescence, c'est-à-dire ça se surveille, il faut l'aider, il faut donner pour elle, et ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Et puisque vous avez mentionné le fait que, au moins en France, j'imagine que c'est la même chose dans beaucoup d'États membres, les médias en général parlent peu d'Europe. Et vous, en tant qu'ancien journaliste, en tant que personnalité respectée dans le monde des médias, qu'est-ce que vous... Enfin, j'imagine que vous êtes allé à plusieurs moments aller voir vos anciens collègues pour leur dire « Mais attendez, il se passe des trucs à l'Europe, parlez-en » et qu'est-ce qu'on vous répond hein? Ben, vous avez raison de dire ça, parce que j'étais très réputé pour être une sorte de maniaque des affaires européennes, c'est-à-dire que j'allais toujours voir les rédactions pour leur dire « Mais regardez le problème qu'on a, par exemple, la durée horaire du travail, c'est une organisation. » par exemple la santé, par exemple la régionalisation. Pourquoi en France, on est un pays jacobin, ultra-centralisé et en plus gouverné par une bourgeoisie de fonction qui est une technocratie qui largement se coopte un peu partout dans l'économie et dans la politique, la banque, l'assurance, l'économie, la politique, le Parlement, etc. Faisons d'abord, parlons de l'Europe. Comment les Allemands traitent? Les Allemands, ils sont décentralisés. Les pays qui vont bien sont des pays fédéraux en réalité. Ils vont moins mal que les autres, ils respirent plus. L'époque est à la respiration, ce qui n'empêche pas l'Union. La France a peur de la décentralisation parce qu'elle a peur que ça détache du centre un certain nombre de ces régions. La Bretagne, l'Alsace, la Corse, enfin, Dieu sait quoi. Non, je ne crois pas du tout à ça. Je crois qu'il y a un niveau de décentralisation nécessaire à nos pays
qui faciliterait largement la démocratie parce que ça rapprocherait pour les centres de décision usuels le lieu de la décision et le lieu où habitent les citoyens. Et c'est à ça qu'il faut réfléchir. Pour l'Europe, c'est un peu la même chose d'ailleurs. Hein? Elle devrait apprendre à décentraliser certaines de ces institutions régaliennes. Mmh. Et c'est loin d'être le cas là aussi. Et on a parlé un peu de la France. Voilà, cette idée que la France est centralisée, c'est différent de d'ailleurs ça. La structure de l'État, on a un régime semi-présidentiel qui est très différent de la plupart des autres régimes dans l'Union européenne. Et est-ce que vous avez déjà observé une forme de méfiance des autres Européens vis-à-vis de la France? Parce que quelque chose qu'on entend souvent, c'est « Ah tiens, quand les Français veulent s'intéresser à l'Europe, c'est qu'en fait, ils ont quelque chose derrière la tête qui en fait, veut servir leurs propres intérêts et pas l'intérêt de l'Europe. » Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu? Ça, je l'ai entendu, cher Quentin. Vous avez raison de le citer. Ça va me permettre d'ailleurs de balayer le spectre. Ceux qui disent ça sont à peu près sont à peu près totalement hypocrites parce que malheureusement, l'Europe, depuis une vingtaine d'années, est devenue une sorte de coffre-fort où on va chercher de l'argent pour arranger les affaires nationales, malheureusement. Et donc, vous savez, quand les grands pays, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne s'opposent, quand l'Espagne s'opposait au brevet unique européen, je parle de l'Office européen des brevets qui dépasse d'ailleurs l'Europe, hein, enfin, on vient d'avoir pour 19 pays un brevet unifié. L'Espagne s'y opposait. Pourquoi ? Parce qu'elle voulait que l'espagnol soit une langue des brevets, tout simplement. Dans d'autres décisions, l'Allemagne s'oppose. Pourquoi ? Parce qu'elle a un hinterland industriel avec l'Europe centrale, où elle vend des machines-outils, des voitures, etc. Ou bien avec les États-Unis, quand il s'agit, par exemple, de montrer notre opposition à certaines décisions américaines, l'Allemagne n'est pas un allié toujours, comment dirais-je, constant. C'est un allié indiscutable. Mais il y a des trous dans la raquette quand son intérêt à elle joue. Donc il y a beaucoup de pays qui voient l'Europe comme un endroit où... Alors pour les Français, ceux qui disaient ce que contenait votre question, je l'ai particulièrement vécu dans les affaires culturelles et les industries culturelles. Pour que vous sachiez une chose, une des raisons pour lesquelles je me suis battu pour le respect de l'économie de la culture, c'est que la culture, c'est quelque chose qui rapporte et qui brasse beaucoup d'argent. Ernst & Young, le cabinet international, avait fait une étude en Europe il y a maintenant une bonne demi-douzaine d'années à peu près, et qui disait que l'économie de la culture valait 536 milliards d'euros chaque année annuelle en Europe, c'est-à-dire pratiquement plus que l'industrie automobile et les télécoms réunis, que ça faisait fonctionner 7 200 000 personnes. C'est pas rien. C'est pas rien, vous voyez. Et quand j'ai voulu commencer à réclamer des lois pour protéger la culture des Européens, produite par les Européens, et en gros, disons les choses, pour ne pas laisser, les Européens à la merci des produits anglo-saxons. Hein, les produits anglo-saxons, c'est bien, mais à petite dose, on ne peut pas en faire notre base culturelle. Eh bien, c'est comme l'huile de foie de morue, c'est très, très utile, mais parfois, c'est un peu amer. on me dit, oui, mais vous êtes français, vous les Français, c'est encore votre fameuse exception culturelle. Pas du tout, c'était pas ça. C'est respecter l'économie de notre culture. Ne venez pas nous faire les poches avec vos produits, vos blockbusters et tout ça, parce que nous avons besoin de cet argent pour payer nos créateurs. Alors là, oui, les Français, oh là là, vous êtes vraiment des franchouillards, et c'est vieillot votre histoire, c'est encore l'exception culturelle de 1993. Avec l'OMC, enfin, vous voyez, des choses de ce genre. C'est les préjugés, ça. C'est les préjugés. Ouais, ouais. En parlant de préjugés, ou même du meilleur général des échanges avec vos collègues, vos anciens collègues députés européens, ou même avec des commissaires, est-ce que vous avez des anecdotes un peu drôles qui vous sont arrivées dans vos 15 ans de mandat, montrer un peu le côté aussi humain Je vais vous en raconter, c'est pas vraiment avec mes collègues, mais avec un commissaire. Je vais vous raconter une histoire qui est assez intéressante. Lors de la dernière mandature à laquelle j'ai participé, c'est-à-dire 2014-2019, le commissaire aux affaires numériques s'appelle M. Ansip. C'est un homme du pays balte, et pour un Estonien, et même d'ailleurs pour un Lituanien, bref, pour un des trois pays baltes, le numérique, c'est un peu ce qu'on a appris aux États-Unis. Et donc, ce sont des pays très avancés dans ce domaine, avec du bien
largement et un peu de choses un peu douteuses. Mais ça, c'est autre chose. Le numérique ne peut pas être regardé dans une sorte d'adoration et de prosternation. Il y a du bon et du mauvais, comme dans toutes les inventions scientifiques. Et je cite toujours l'atome pour ceux qui ne voudraient pas me croire. Quand on commence à travailler avec lui, puisqu'il met sur la table un projet de directive, il reçoit un de mes amis, moi j'étais pas là, dans son, je sais plus combien, 22e étage, et il l'amène au bord de la fenêtre, et il regarde les passants qui étaient en bas, comme des petites fourmis, hein, qui se déplaçaient sur la place de Aubert-Lémont, et il dit, monsieur, vos problèmes, c'est les problèmes de riches, regardez en bas. Déjà, c'était charmant d'entendre ça. Hein. Et puis, mon ami me rapporte ça, et moi, je vois Hansip à un petit déjeuner auquel il m'invite quelques jours plus tard. Et je lui ai dit une chose assez simple. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, c'est simple. Si vous ne prenez pas des mesures qui protègent l'économie culturelle européenne du point de vue de son économie, encore une fois, c'est d'argent dont je parle. Hein. Je ne vous demande pas de vous mêler de la création. Je vous demande de faire en sorte que l'essentiel de l'argent des Européens qui se consacrent à la culture reste pour les produits culturels européens et non pas américains et Dieu sait quoi. Hein. Et je lui ai dit, écoutez, c'est assez simple. Vous ne sortirez pas de votre bureau parce que vous aurez en bas, à la sortie, tous les créateurs culturels européens, et ils sont quand même quelques dizaines de milliers, et en ce moment, ils sont extrêmement remontés. Et je vois mon Hansip en train de prendre un croissant et en train de s'étrangler. Ça prend 5 minutes. Et en fait, ça a failli se passer puisque les culturels européens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup manifesté, un peu à l'initiative des Français, mais pas que, hein, pas que du tout. Non. J'ai notamment beaucoup de respect pour les Polonais, les créateurs culturels polonais qui ont été tout à fait bien mobilisés, les Roumains, des Italiens évidemment, des Espagnols, les Français, je n'en parle même pas. Et donc, ça c'était assez marrant. Et moi, quand j'allais voir mes collègues députés, je devais les convaincre, non français évidemment, et même certains français, un à un. Et ça a pris, cette affaire, elle a pris pratiquement 10 ans pour arriver jusqu'au bout, qui était le droit d'auteur, droit voisin. C'était une très belle victoire, parce que la première fois que nous présentons un texte droit d'auteur, et vous en étiez, vous connaissiez ça par cœur, puisque vous étiez vous-même à la table de nos négociations intergroupes, hein. Eh bien, il y avait des Français qui étaient contre ce que signifiait ce texte, c'est-à-dire de protéger l'économie de la culture des Européens, des pays européens, pour des raisons peu compréhensibles, ou bien au contraire de connivence avec les grands groupes GAFA, puisqu'il y en avait, il y en a eu quelques-uns, hein, il ne faut pas rêver. Et petit à petit, j'étais très frappé de voir que les gens se laissaient gagner par la raison, un peu par l'émotion, mais aussi par la raison. Quand on leur disait, mais vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'argent en Europe pour l'économie de la culture, ne la laissez pas partir ailleurs. Vous voyez, chez vous, alors je parlais un allemand et je citais beaucoup d'amis allemands que j'avais dans le monde de la culture, je parlais un polonais, je citais Weisda. C'était Andrzej Zulawski qui était venu nous aider à l'époque, etc. Quoi. Je citais aussi tout ce que je connaissais des révolutions politiques polonaises, parce qu'il se trouve que, comme jeune journaliste, j'ai été mêlé de très près à la première vague de révolution de M. Edmund Bauka en Pologne en 1970, qui a amené Edouard Guiret au pouvoir, et puis ensuite, naturellement, les gens de Solidarność en 80. Dans lesquels je comptais beaucoup d'amis, et y compris quelques artistes, et y compris Adam Michnik, qui lui-même était le patron du grand journal de Varsovie, qui s'appelle Gazeta. Bref, je voyais les gens se laisser gagner petit à petit, un peu par le frisson national, quoi, et puis un peu aussi par la raison. Et ça a été un moment merveilleux, ça, de voir le premier texte de notre affaire est voté en avril 2019, si je me souviens, 2018, pardon, et je le perds, nous le perdons. Enfin, Fosse, le rapporteur et moi, nous le perdons. C'était triste, j'en avais les larmes aux yeux, c'était triste, on était tous très tristes, vous-même, vous vous souvenez de tout ça. Et puis, on négocie tout l'été, j'abandonne un certain nombre d'exigences, essentiellement. Et le texte revient en septembre 2019 et là on gagne au la main. Après il y a le trilogue
Le Trilogue, ça dure 6 mois pratiquement, jusqu'en mars 2019. Et là, on gagne, le texte est fait, et nous ne souhaitons plus qu'une chose qui soit transposée. Il a d'ailleurs été très vite, nous ne sommes pas étrangers à cette affaire, en France, 3 mois plus tard. Donc ça, c'était vraiment bien. Mais vous voyez, j'ai des souvenirs émouvants de relations humaines dans cette nature. Je pense à Madame Angelica Niebler, par exemple. Je pense à mon ami espagnol Javier Moreno. Je pense à quelques Italiens. C'était vraiment très intéressant. J'en étais très heureux. Alors, je vois le temps qui passe. Je vais vous poser une dernière question avant de vous libérer. J'ai une question dans le chat qui rebondit un peu sur ce que vous disiez un peu plus tôt sur les produits anglo-saxons qui dominent en Europe. Et la question, c'est qu'est-ce que vous pensez à l'opposé de l'indépendance stratégique de l'Europe, non pas vis-à-vis des États-Unis cette fois, mais de la Chine, par exemple. C'est le même problème qui se pose, cher monsieur ou mademoiselle, je ne sais pas qui parle, ou madame, mais c'est le même problème qui se pose au grand jour aujourd'hui vis-à-vis de notre dépendance vis-à-vis des États-Unis. Il se posera un jour vis-à-vis de la Chine, très probablement également. C'est pour ça que j'utilise la notion de nouvelle Europe. On parle de souveraineté, c'est très bien, mais c'est très complexe à aboutir et très complexe à décortiquer. La vérité, c'est que nous sommes un continent, fait de multidiversité linguistique, donc culturelle, donc historique, mais que nous ne sommes ni dans les valeurs culturelles américaines. Il n'y en a qu'une partie qui sont semblables aux nôtres, les revendications de la liberté, par exemple, mais les contenus numériques aux États-Unis ne choquent personne, y compris Twitter, y compris l'appel à la sédition. On peut descendre aux États-Unis avec une pancarte et dire à mort le président, il y aura un policier qui ne va pas vous emmener au commissariat, il vous demandera juste de manifester sur le trottoir dans les 4 rues qui entourent le bloc d'immeubles où vous manifestez. Nos valeurs de liberté sont plus vastes et plus codifiées qu'aux États-Unis. Et quant à la Chine, je ne peux pas parler de ça parce que les valeurs en Chine n'existent pas. Elles sont soumises à l'autorité d'un pouvoir totalement tyrannique. Et d'ailleurs, il faut bien regarder les choses en face. Un jour, nous pouvons très bien être soumis. Ça commence d'ailleurs, les infiltrations chinoises en Europe, le port du Pirée, quelque part en Italie, quelque part en Hongrie, où ils essaient de s'installer, quelque part dans les pays baltes où ils essayent de s'installer. Donc, nous sommes un continent un peu comme une noix entre deux tenailles. Notre problème à nous, c'est de desserrer la tenaille par le respect de nos valeurs et en se donnant les moyens de fortifier nos valeurs. Vous voyez, il faut les moyens de qui nous sommes. Et pour l'instant, nous n'avons pas tous les moyens de qui nous sommes. Est-ce que je suis clair? Je ne sais pas, j'espère. Non, ça me semble très clair. Moi, ça me semble très clair. Écoutez, ce que je vous propose, c'est en donner un petit mot de la fin, de manière un peu prospective. Allez, disons, si vous pouviez changer quelque chose en Europe, qu'est-ce que vous changeriez? Je simplifierais ces institutions. J'essaierai de simplifier ces institutions en retournant devant les électeurs, mais c'est une nécessité. Et la deuxième chose, je mettrai vraiment toute mon énergie à travailler à la puissance régalienne de l'Europe qui va garantir 20, 30, 40 ans de son avenir dans les deux domaines qu'on a dit. Le premier au monde dans la transition climatique, si possible, et le premier au monde à se détacher des souverainetés numériques que les uns ou les autres États-Unis ou Chine essayent de nous imposer. Écoutez, c'est très clair. Merci beaucoup, Jean-Marc Cavada, d'avoir pris le temps ce soir d'être avec nous. De nouveau. Permettez-moi, cher Quentin, de remercier le travail que vous faites et aussi ceux qui sont avec vous en ligne et qui ont la gentillesse de nous écouter, ce qui est quand même un grand honneur. Merci à vous. Merci à vous et de nouveau, bon anniversaire. À très bientôt, j'espère. Alors, je vais vous donner un conseil. Dites-moi. Vous arrivez dans une tranche de votre vie. 30, 35, je ne sais plus trop quel âge vous avez, où il faut commencer à ne plus penser à la date de naissance, mais seulement à la date anniversaire. Ça fait vraiment 30 ans que je ne sais plus quelle année je suis né, je ne sais pas quel âge j'ai. Je vous rassure, je suis dans le même cas. Je suis dans le même cas, moi aussi. On me demande mon âge, je ne sais plus trop quel âge j'ai moi-même. Donc, on est dans le même cas. Merci beaucoup, Monsieur Cavada. À très bientôt. Au revoir. Alors, chat. Hop, je prends mon carnet où j'ai pris mes petites notes et on va revenir sur tout ça. Alors, dites-moi en attendant, qu'est-ce que vous avez pensé de cette interview? C'est évidemment très intéressant.
Oui, bien sûr, monsieur Canada, vous pouvez y aller. Attends. Au revoir. Hop, moi je vais éteindre Zoom aussi. Parfait, parfait. Voilà. Bon, bah, vous l'avez compris, je connais monsieur Canada. Hein, je vais vous dire le petit moment de background. J'ai commencé comme bébé assistant chez monsieur Canada. J'étais son stagiaire, donc je connais bien monsieur Canada. C'est pour ça aussi qu'il était une des raisons pour lesquelles il a accepté gentiment de venir sur la chaîne pour nous parler de ses 15 ans de mandat. Et c'était très intéressant, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai noté de mon côté? Un point qu'on a déjà pu discuter dans le passé, c'est cette question de l'importance dans la guerre, de l'importance de la guerre dans l'esprit européen d'une certaine génération. Donc on l'a entendu plusieurs fois, monsieur Canada l'a expliqué, donc voilà, il est né, il a grandi pendant la Seconde Guerre mondiale, et il a expliqué ce souvenir où il a 4 ans, il se retrouve face à un berger allemand de la Gestapo qui est plus gros que lui. Il a raconté l'impact, évidemment, il était présent lors des interventions russes à Budapest, etc., à Prague, pardon, etc., etc. Donc, pour beaucoup d'Européens, jusqu'à ce que je dirais la génération de nos parents, ils ont été forgés par la guerre, entre guillemets. Ils ont vu la guerre, ou ils se souviennent de la guerre, et du coup, ça a créé leur esprit européen en conséquence. Ou dans le sens, c'était « on ne veut plus jamais ça ». Donc notre voie de sortie pour ne plus retomber dans la barbarie qu'on a vue pendant la Seconde Guerre mondiale et dans le cadre de l'Union soviétique, c'est l'Europe. Et donc du coup, on est vraiment sur cet idéal, voilà, c'est notre porte de sortie, c'est le moins de ne plus avoir ça. Et de mon point de vue, il y a un changement de raisonnement à partir de nos générations, puisque autant les générations comme celle de M. Canada, génération de nos parents, ils ont connu la guerre, ou ils ont connu directement quelqu'un qui a connu la guerre. Nous, notre génération, à part éventuellement si on a pu en parler avec nos grands-parents, on connaît l'histoire européenne, on a vu ça dans les livres d'histoire, on a vu les films, on a vu tout ça, mais ça n'est pas, ça a pas de place vraiment concrète. Et du coup, nous, notre esprit, l'esprit européen des jeunes générations, c'est oui, c'est très important la paix, mais c'est pas que pour ça que je vais signer. En gros, c'est voilà, on est européen parce qu'il y a Erasmus, parce qu'il y a Schengen, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Et du coup, c'est là aussi, ça explique une partie des nouvelles générations de plus critiques de l'Union européenne, où leur idée, c'est de dire attendez, l'Union européenne, c'est pas un chèque en blanc. On peut être critique, on veut une autre Union européenne, donc. On veut une Europe plus sociale, on veut ceci, on veut cela, mais voilà, il n'y a plus l'argument du poids de la guerre, du passif que représente la guerre et de l'Europe de la paix. C'est un argument important, mais ça n'est plus l'argument principal ou suffisant, entre guillemets, pour convaincre les gens, bah voilà, l'Europe c'est important, il faut rester dans l'Union européenne, il faut défendre l'Europe. Donc ça, c'était assez intéressant de ce point de vue-là. Qui plus est, voilà, dans quelqu'un qui raconte avoir vécu ces choses-là. J'avoue, je connaissais pas l'anecdote avec le berger allemand, donc effectivement, je peux imaginer que ça laisse des traces. Après, on a parlé de quoi sujet intéressant. Il a évoqué brièvement la question de la défense européenne, qui est un sujet qui est revenu beaucoup, et dont on parle beaucoup ces jours-ci, évidemment, avec tout ce qui se passe en Ukraine. Il a dit, voilà, l'Europe de la défense, d'une part, les Français, nous, on l'a sabotée en 54 en votant contre la Communauté européenne de défense, ou la CED. Donc c'était notamment les gaullistes et les communistes qui avaient voté contre, qui avaient bloqué un projet qui était initié par la France. Donc depuis, ça avait tué un peu, ça avait tué complètement l'Europe de la défense. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des sensibilités très différentes sur les questions de défense en Europe. Avec d'un côté, vous avez, on va dire la France, qui est, de mon point de vue, et j'ai pas envie de dire isolée, mais c'est celle qui a plus en pointe sur ce sujet-là, à dire voilà, il faut une Europe de la défense, on est une grande puissance. On a une armée, etc., etc. Il a tout rappelé, hein. On est une puissance nucléaire, on a un siège au Conseil de sécurité, on a une armée opérationnelle, etc., etc. Donc on est pushy pour faire des trucs en matière d'Europe de la défense. Mais à côté, on a des pays de l'Est qui sont très partants pour une Europe de la défense, d'un côté, hein, parce que eux, ils ont le voisin russe juste à côté, donc eux, ils en ont peur, hein. C'est qui plus est encore aujourd'hui, ils ont toutes les raisons d'avoir peur des Russes. Et du coup, ils ont là, mais attendez, l'Europe de la défense, c'est bien, mais on a déjà l'OTAN. Donc pourquoi est-ce qu'on va s'emmerder à aller créer un truc tout nouveau
qui va probablement être moins bien que ce qu'on a sous l'OTAN. Non, non, gardons parapluie américain, c'est très pratique. Ne cherchons pas à être plus indépendants. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on est le bouclier américain. Ensuite, on a les Nordiques, qui sont, eux, neutres ou pacifistes. Donc, eux, évidemment, la question d'une armée, une défense européenne, tout de suite, c'est là, bah, nous, on n'est pas forcément très partant d'avoir une défense, ou du moins une armée européenne, parce que ça sous-entend qu'on doit l'utiliser, et nous, on n'est pas très chaud. Qui plus est, quand c'est poussé par les Français, qui sont un peu plus va-t-en-guerre que ce que les Nordiques le sont. On a les Allemands qui, sur le sujet-là, pour des raisons historiques, ont peur de toute intervention militaire, même si, comme l'a dit M. Cavana, ça ne les empêche pas d'être des très gros producteurs d'armes, et des gros vendeurs d'armes. Et il m'en manque un. J'ai fait l'Est, j'ai fait le Nord, j'ai fait les Français, j'ai fait les Allemands. Bah écoutez, j'ai fait tout le monde. Donc du coup, ce melting pot fait que bah, sur les questions de défense, en fait, on est assez limité. Ou du moins, très limité dans ce que les Français voudraient faire, en fait. À chaque fois, les Français disent « Oui, il faut une Europe de la défense, il faut une Europe de la défense. » Hello, no brains. Il y a une Europe de la défense, il faut une Europe de la défense. Sauf que bah, l'ordre de la défense que voudraient les Français, c'est pas franchement à l'ordre du jour. Du moins, hier. J'allais dire aujourd'hui, mais j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui a changé pas mal de choses. Ça va être très intéressant de voir la manière dont les discussions vont évoluer dans les mois qui viennent, puisqu'on a le compas stratégique, donc, qui est une espèce de document de doctrine qui doit, dans les mois qui viennent, mettre à jour la politique étrangère, la politique de défense européenne, et donner des perspectives. Donc j'imagine que ce compas stratégique va être un petit peu amendé pour tenir compte de l'intervention russe, enfin de l'intervention, de l'invasion russe en Ukraine. Voilà, on va avoir des très 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 grosses, des très grosses attentes et tensions vis-à-vis des pays de l'Est, et je pense aussi que ça va aussi, même les Français vont un peu remettre au placard la volonté d'indépendance dure vis-à-vis de l'OTAN, puisque bah, on voit bien que là, l'OTAN est en première ligne, donc je pense que les Français vont un petit peu lâcher du lait sur ce sujet-là pour pouvoir avancer. Et derrière, il y a aussi toute la question, évidemment, sur lesquelles il y a déjà des avancées, hein, sur la question des projets de défense communs, donc comment on fabrique un projet de char commun, un projet de drone commun, donc il y a déjà des projets franco-allemands et pas que. Maintenant ils discutent de projets d'avions de chasse européens avec des consortiums, etc. Donc ça c'est quelque chose qui existe déjà. Maintenant il y a aussi un fonds pour la recherche en matière de défense, mais ça va être très intéressant de voir comment dans les mois qui viennent l'Ukraine va changer les sensibilités, ou du moins les réticences d'un certain nombre de pays à agir sur les questions de défense. Sur les questions de l'affaire étrangère, il faudra voir. Il faudra voir à quel point, s'il y a eu des blocages des pays européens pour prendre par exemple les sanctions contre la Russie, parce que s'il y a eu des blocages, ça va un peu s'aborder ce que pardon, j'ai reçu un message entre temps, donc je regardais. Saboter un petit peu, saboter. Remettre en question l'architecture actuelle de la politique de pas de défense, de la politique d'affaires étrangères communes, évidemment, hein, parce que si sur un truc aussi énorme que l'invasion de l'Ukraine, on n'est pas capable de prendre des décisions fortes et claires, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, très clairement. Donc ça va être très intéressant de voir comment ça va fonctionner tout ça. De quoi on a parlé en truc intéressant, je regarde mon petit carnet vite fait, on a parlé des données, donc ça il est revenu très longuement sur la question de la domination des Américains sur les questions numériques, et notamment il a évoqué les données personnelles, le fait qu'effectivement il y a les lois aux États-Unis font que s'il y a des données même européennes qui sont sur un serveur aux États-Unis, parce que vous utilisez, alors je vais pas dire Facebook, parce que Facebook maintenant a ses serveurs en Irlande, mais admettons vous utilisez Amazon, vos données vont se retrouver sur Amazon, sur le serveur d'Amazon aux États-Unis, bah ils seront sous le coup de la loi américaine, et les gens, du coup, les services de renseignement américains, etc., pourront aller jeter un coup d'œil dans vos données. Ce qui est une des raisons pour lesquelles les accords d'échange de données entre l'Union européenne et les États-Unis ont été torpillés à deux reprises par la Cour de justice de l'Union européenne,
qui a dit, bah non, non, en fait, d'échange de données, enfin de partage, enfin pas de partage de données, mais ces accords sur l'usage des données personnelles européennes aux États-Unis, c'est pas cachère, parce que ça ne protège pas suffisamment les Européens contre les actions éventuelles de leurs services de renseignement. Il n'y a pas de recours suffisant pour les Européens, et depuis, bah, ça empoisonne un petit peu les... Enfin, c'est pas ça empoisonne, mais en tout cas, ça rend plus compliqué les relations entre les Américains et les Européens, parce que bah, le transfert de données européennes aux États-Unis, c'est des quantités, déjà de données colossales, mais ça représente des quantités colossales d'argent et d'intérêts économiques. Et tout d'un coup, la justice européenne est venue mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et donc, du coup, il y a des gros débats sur comment, et est-ce que même c'est possible d'avoir un accord entre les Américains et les Européens qui permettrait de garantir réellement la protection des données européennes aux États-Unis. Parce qu'en gros, quelque part, c'est comme si ça revient un peu à demander en fait aux Américains de garantir des droits aux Européens que les Américains eux-mêmes n'ont pas. Parce qu'évidemment, en matière de données personnelles, il n'y a pas de loi fédérale sur la protection des données personnelles. Donc les Américains sont paradoxalement moins bien protégés que les Européens. Et donc du coup, évidemment, si les Américains, on leur demande, bah tiens, vous devez mieux protéger les données européennes que vous protégez vos propres données, ça peut créer des problèmes. Donc c'est un des gros sujets de ces dernières années, et maintenant, il y a même des débats sur ce qu'on appelle le reshoring des données, c'est-à-dire le fait que les données européennes doivent rester et doivent être hébergées sur le territoire européen. Donc c'est par exemple pour ça que Google, Amazon, Facebook, ils ouvrent des fermes de données, des fermes de serveurs à tout va en Europe pour justement bah, stocker là les données européennes et ne pas être emmerdés par la justice européenne ou par... Enfin, pas par GDPR. Ils peuvent être emmerdés par GDPR, mais en tout cas, ne pas échapper à d'éventuelles mauvaises... une éventuelle censure des transferts de données entre l'Union européenne et les États-Unis. Alors un truc que je trouvais intéressant qu'il a expliqué, c'est quand il a expliqué tout le débat sur la fédéralisation. Il disait voilà, le problème, c'est pas tellement d'avoir une union fédérale en tant qu'institution unique, etc., etc. C'est d'avoir une fédéralisation qui fait sens. Et il a dit cette phrase que je trouve intéressante, qui dit voilà, en fait, la fédéralisation, c'est le fait de prendre des décisions qu'un État seul est trop faible pour prendre tout seul. Effectivement, bah, c'est là où, par exemple, on voit le côté géopolitique, évidemment, hein, puisque un État isolé est potentiellement trop faible pour prendre des décisions fortes, alors que bah, dans un ensemble plus grand, il a les moyens, il a les effets de levier nécessaires. Et on voit ça notamment dans le cadre de la politique étrangère, de la défense, des systèmes de sanctions, etc., du marché unique, du commerce, voilà. C'est effectivement, quelque part, cette idée que l'union fait la force, en gros. L'union fait la force, et que c'est dans ces domaines-là où il doit y avoir une fédéralisation, et sous-entendu, là où ça fait plus sens d'agir tout seul, parce qu'on est suffisamment fort pour agir, il n'y a pas nécessairement besoin de fédéralisation. Donc c'était assez intéressant comme point de vue, surtout que il n'a pas sauté sur le truc « Ah non, je suis pas fédéraliste » ou « Au contraire, je suis fédéraliste. » Il a dit « Non, au fond, c'est ce qui compte, c'est... C'est le résultat. Et voilà, je m'en fous de la forme, c'est le résultat qui compte. On a parlé longuement du déficit démocratique. Il n'est pas d'accord sur le fait qu'il y a un... Enfin, il n'est pas d'accord. Il est d'accord qu'il y a un manque de transparence, il y a un manque de transparence de la technocratie européenne, mais il ne pense pas qu'il y a un déficit démocratique s'il prononçait que ça. Il a opposé à ce titre-là le Parlement européen et le Parlement français, en disant, voilà, le Parlement européen a plus de pouvoir que le Parlement français. Ce qui est vrai et pas vrai, en même temps. De mon point de vue. C'est vrai dans le sens où, comme il l'a dit, le Parlement français, je me souviens avoir eu un échange avec un député européen qui avait été député national auparavant, qui m'avait expliqué, voilà, en fait, à l'Assemblée nationale, il y a deux règles que vous devez suivre quand vous êtes député. Règle numéro 1, quand vous êtes dans la majorité, faites ce que le gouvernement vous dit. Et la règle numéro 2, si vous n'êtes pas d'accord avec la règle numéro 1, rapportez-vous à la règle numéro 1. Donc là, c'est vraiment, vous suivez, vous êtes au pas, vous suivez les ordres, et vous n'avez pas vraiment de capacité réelle à agir. Et il a dit, voilà, le gouvernement qui plus est peut vraiment interférer, agir dans,
dans les travaux du Parlement en changeant l'ordre du jour, en retirant des amendements, etc. Donc on a un Parlement, entre guillemets, en France, qui est sous tutelle du gouvernement. Et là où le Parlement européen, ça n'est pas le cas, dans le sens où le Parlement est entièrement libre de son agenda. La Commission européenne n'a aucun pouvoir, et bon courage si elle voulait aller expliquer à un député qu'en fait, elle n'aime pas son amendement, donc il devrait le retirer. Le député va regarder en disant « Mais allez vous faire voir, je fais ce que je veux. » Donc de ce point de vue-là, effectivement, c'est vrai que un parlementaire est plus indépendant et a du coup plus de pouvoir qu'un parlementaire français, hein, puisque il a une vraie capacité à agir, il a aussi plus de moyens. On en a déjà parlé dans d'autres streams, le fait que en termes financiers, pour parler juste de la question des assistants, l'enveloppe parlementaire qu'un député européen a pour recruter son staff, c'est de mémoire plus du double de ce que un député national a. Ce qui fait que un député national, en général, il va avoir un ou deux assistants avec des gens qui sont à mi-temps, là où un député européen peut avoir trois ou quatre assistants. Donc évidemment, quand vous avez plus de staff, vous pouvez faire plus de travail. Autre chose qu'on a au Parlement européen, mais qui n'existe pas en France, c'est par exemple sur la désignation de la Commission européenne. Alors, la Commission européenne, tout comme le gouvernement français, sont responsables devant le Parlement respectif, pas de souci. Mais en revanche, le Parlement français, la désignation des ministres, il n'a pas son mot à dire. C'est le président et le Premier ministre qui désignent les ministres, point à la ligne. Alors qu'au Parlement européen, vous avez des auditions. T'as un commissaire, les commissaires. Enfin, quand la Commission européenne se constitue, la présidence de la Commission européenne soumet une liste de commissaires, et après, ils sont auditionnés par le Parlement européen, et le Parlement européen dit à la fin, écoutez, non, lui, je l'aime pas. Lui, je l'aime bien, lui, je l'aime pas, vous me le virez. Donc à chaque fois, il y a quelques changements de casting dans la composition de la Commission européenne à cause des retours du Parlement européen. Même si, faut pas se voiler la face, ça reste quand même très politique, dans le sens où le PPE défend ses candidats, le SND défend ses candidats, et on tape sur les autres, etc., etc. Donc ça reste quand même beaucoup déterminé par les ligues politiques, mais il n'empêche qu'il y a un vrai process d'audition sérieux qui est fait au Parlement européen, qui n'existe pas en France. Un ministre n'est pas auditionné par le Parlement avant d'être validé comme ministre. Ça n'existe pas. Donc de ce point de vue-là, effectivement, le Parlement européen a plus de pouvoir que ce que le Parlement national a. En revanche, c'est là où je suis un peu plus nuancé sur l'idée que le Parlement européen a plus de pouvoir que le Parlement national. Le Parlement européen n'a pas de pouvoir d'initiative. Alors même si, effectivement, comme l'a dit M. Cavada, il y a des outils pour effectivement essayer de faire un peu de forcing, etc., etc. Il n'empêche que, institutionnellement, on n'a pas le Parlement européen n'a pas le pouvoir d'initiative. Il ne peut pas proposer ses propres lois. Même si, voilà, il y a d'autres moyens, mais voilà, et en France, c'est rare que le Parlement, en fait, utilise vraiment son pouvoir d'initiative. Hein. C'est le gouvernement qui, dans l'immense majorité des cas, propose la loi. C'est pas l'Assemblée. Mais en tout cas, c'est clair et net que le Parlement européen n'a pas ce droit. Ce qui n'est pas le différencier. Pareil, sur le budget, il n'a pas un pouvoir complet, même si il a un droit de veto de facto. Que vous dire d'autre, sinon juste pour finir de manière un peu plus light, la question des relations humaines, qu'il a expliqué, qui est effectivement très très importante, surtout au Parlement européen. Parce que autant dans un Parlement national, effectivement, vous avez des relations interpersonnelles, hein, les députés qu'ils soient nationaux ou européens, sont des êtres humains, donc il y a des gens avec qui ils s'entendent bien, il y a des gens qui ne peuvent pas encadrer, et évidemment ça peut avoir un impact sur le travail qu'ils font, mais au niveau européen, mais au niveau national, il y a surtout la logique de partis politiques, surtout dans un système majoritaire comme en France, où en gros, t'es avec moi ou t'es contre moi. Au Parlement européen, ça n'existe beaucoup moins, parce que d'une part, il n'y a pas de système majoritaire, hein, il n'y a pas de groupe politique qui, à lui tout seul, a la majorité au Parlement européen, donc on est dans un système de négociation permanent, hein, où la droite va discuter avec la gauche, qui va négocier avec le centre, qui va négocier avec les verts, l'extrême gauche, etc., pour essayer de trouver des deals. Donc le quotidien au Parlement européen, c'est d'avoir des compromis où vous allez avoir la droite, la gauche, le centre et les verts qui sont d'accord sur un texte, et qui vont le voter ensemble.
parce qu'ils auront négocié, parce qu'ils auront fait des, ils auront fait des deals. Mais aussi, il y a cette dimension que comme il y a 27 nationalités différentes, et même au sein d'un groupe, d'un même groupe politique, les sensibilités politiques sont très différentes. Hein. Vous pouvez avoir des PPE d'un certain nombre de pays qui peuvent s'entendre très, parfois, paradoxalement, être plus proches de centristes d'autres pays. Et du coup, bah, ça fait que les relations interpersonnelles deviennent d'autant plus importantes, puisque bah, c'est ce qui va permettre de forger encore plus les deals, et ou même de créer des divisions au sein des groupes. Puisque bah, du coup, les députés vont pouvoir aller se voir en disant « Attends, il y a telle directive, il y a tel truc, toi dans ton pays ça va avoir tel effet, ou vas-y, tu m'as aidé sur tel dossier, je t'aide sur tel dossier, et vice versa. » Donc les relations humaines sont d'autant plus importantes dans le Parlement européen pour pouvoir faire les choses. Et donc lui, M. Cavada a expliqué justement que voilà, il a fait un peu une croisade de 10 ans pour pousser ce qu'il souhaitait sur les questions, en l'occurrence de droits d'auteur, où il allait faire le porte-à-porte et aller convaincre les députés, les commissaires, etc. du bien fondé de la démarche. C'est une vraie part du travail de parlementaire européen, c'est effectivement d'aller voir les collègues au-delà des barrières politiques et de faire en sorte de s'entendre bien et de pouvoir avancer. Parce que sinon, ça marche pas. Il y a l'opposé, effectivement, il y a des députés qui ne peuvent absolument pas s'encadrer, et du coup, ils sont incapables de bosser ensemble. Et ça peut pourrir, effectivement, des négociations. Mais tout ça pour dire que la relation humaine est quelque chose d'extrêmement important dans la politique parlementaire européenne, plus encore que dans la politique nationale. Bref, c'était ce que j'avais noté, moi, de mon côté. Je ne vois pas de commentaires outre dans le chat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma petite conclusion qui en fait va être très rapide. Donc j'espère que vous avez apprécié cette interview avec un ancien député. J'ai voulu faire venir un ancien député parce que ça pouvait apporter une dimension un peu différente, dans le sens où c'est quelqu'un qui... c'est des personnalités qui ne sont plus dans l'institution, donc ils sont plus vraiment liés, ils ont plus de compte à rendre à qui que ce soit, et donc ils peuvent être parfois un peu plus cash et un peu plus direct sur la manière d'expliquer les choses, et aussi ils ont le recul de... 2-3 mandats d'expérience, parce que c'est vrai que sur la chaîne jusqu'ici on a beaucoup de députés, c'est surtout des députés en exercice, mais il y en a beaucoup, c'est leur premier mandat. Donc évidemment on n'approche pas le même sujet quand on est à 2 ans et demi de mandat que quand on a 10-15 ans de mandat derrière soi. Donc c'est pour ça que j'avais trouvé ça intéressant d'inviter Monsieur Cavada ce soir, et j'espère pouvoir faire ça avec d'autres députés, d'autres groupes politiques dans les mois qui viennent. Au-delà de ça, la prochaine fois qu'on va se voir, c'est dimanche pour la revue de presse, mais, avec une petite différence, ça ne sera probablement pas à 18h comme d'habitude, je vais reconfirmer ça dans les jours qui viennent, ça sera probablement à 17h plus tôt, et ça sera même très potentiellement que en anglais, il n'y aura pas la version française. Pourquoi ? Parce que dimanche soir, je dois aller, je sors, je vais en ville, mais à la fois pour me faire plaisir et aussi pour le stream, puisqu'en fait je vais voir le spectacle du Schumann Show, qui est le Schumann Show, c'est en gros un spectacle de stand-up, donc de la comédie, sur le thème de l'Union Européenne. Et il se trouve que je vais les inviter à venir faire un stream avec nous dans quelques semaines, et donc du coup je voulais pouvoir voir leur spectacle avant de les avoir avec nous sur un stream. Donc c'est dimanche soir, donc c'est pour ça que je devrais changer un petit peu mon organisation, et on aura le stream de revue de presse un petit peu plus tôt que d'habitude. Bref, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. N'hésitez pas à follow, comme d'habitude, ici, bien entendu, et sur les autres réseaux sociaux que je vais poster dès maintenant sur le chat, Mimam Boom. Vous pouvez, vraiment, si vous avez aimé ce que vous avez vu, vous pouvez lâcher une pièce à votre streamer sur Ko-fi. Et autrement, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous vois, j'espère, dimanche ou la semaine prochaine. À très bientôt tout le monde. Ciao.